Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mercredi et aujourd'hui c'est une journée tournage d'une vidéo que j'avais très envie de faire. Je sais pas vraiment si c'est une vidéo qui va vous plaire, mais c'est une vidéo qui va être assez drôle à tourner. Donc on a rendez-vous déjà à 11h30 avec Thomas pour commencer à tourner cette vidéo et ensuite on continuera jusqu'en milieu d'après-midi. Ensuite je rentre chez moi, je dois amener Nova chez le véto, je dois rentrer chez moi, je dois ranger mon appart à fond, à fond, à fond. Et ensuite je sors voir Gabriel. Et voilà, c'est ça mon programme de la journée. Là, je commence déjà à aller au bureau parce que j'ai plein de choses à ranger, plein de choses à trier. Je voulais vous montrer ça parce que là, le tri commence vraiment à être nécessaire, encore une fois, je sais, mais au fur et à mesure, si on s'y prend pas très vite, on accumule et il faut vraiment qu'on se dépêche de trier. Donc c'est parti pour le tri ce matin jusqu'à 11h. À 11h, on bouge. Avec Thomas, on va tourner et ensuite, on va voir comment on se débrouille aujourd'hui. Je vous emmène avec moi dans ma journée. C'est parti. Alors, en termes de outfit of the day, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très simple et surtout de très confortable. Je porte un petit pull blanc que j'ai depuis longtemps. C'était une collection Missguided en collaboration avec Madison Beer. Donc, en fait, c'est un pull blanc qui est un peu crop ici. Je porte également cette salopette hyper légère qui vient de chez Urban Outfitters. Et comme d'habitude, quand je sais pas quoi mettre, mes Air Force One en petite de chez Nike, alors que j'ai 36 millions de paires de chaussures, mais non, je mets toujours les mêmes. Voilà, je me suis attachée les cheveux parce que ce sera plus simple pour tourner. Puis aujourd'hui c'est le mercredi, donc mercredi mes cheveux sont sales, donc il faut que je les lave ce soir et j'avais pas envie de les coiffer. Donc voilà, et bah écoutez, c'est parti pour cette journée, on y va, tournage en cours, c'est parti. Jelly, tu viens? On va au bureau? Allez, viens, on y va. Allez, on y va, on y va. Alors je vous explique un petit peu l'atelier de ce matin. Voilà, j'ai une heure devant moi déjà pour commencer. En gros, on a installé des placards au bureau. Et ça, en fait, c'est tous les produits que j'avais reçus. Ben, soit des envois de marque, bah oui, généralement c'est des envois de marque, de tous les produits, toutes les marques confondues et des choses que j'ai jamais triées, j'ai jamais regardé ce qu'il y avait dedans. Je sais qu'il y a des choses qui sont neuves, il y a des choses dont je me servirai jamais, des choses dont peut-être je vais me servir. Donc là, je vais déjà faire un premier tri. Donc en fait, il y a tout ça ici. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a là-dessous. Et il y a également. C'est où, Marine? C'est dans le tiroir là? Non, c'est dans le placard. Ouais, là, il y en a dans le placard encore. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, là, il y en a encore. Bref, il y en a partout. Donc l'idée, c'est déjà de faire un premier tri des choses que je suis sûre que je vais pas garder. Et je vais tout mettre déjà dans ce carton. Et en fait, c'est un carton, bon, il va pas y en avoir qu'un seul, mais plusieurs qu'on va envoyer à l'association Bel et Bien, qui est une association en fait qui se sert du maquillage pour les femmes atteintes de cancer. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir leur envoyer des produits pour qu'ensuite ils soient dispatchés un peu dans les hôpitaux et que ça serve à, voilà, à des femmes, si on peut leur donner un peu de sourire. Hein, Jelly? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas m'aider? Ouais, pas vraiment, hein. Pas vraiment, hein? Oscar, c'est... Ah bah voilà. En ce moment, je vous dis, c'est la colonie de vacances pour les chiens ici. Entre Oscar qui s'est fait opérer, donc il a sa collerette. Petite parabole. La petite parabole là. Il se cogne partout. Et Jelly. Hein? Oui! Oscar! Oui, Oscar! Oui, salut! Oui, salut! Toi, t'es jalouse? Non. Bon, allez, poussez-vous les chiens, parce que là, j'ai du taf. Poussez-vous les chiens! Bon, ça c'est ce que je trie, ça c'est ce que je donne, donc bah, à peu près tout. Les fonds de teint Too Faced, ça c'est déjà tous les fonds de teint Too Faced là-bas, les fonds de teint. Ça c'est Brow Conditioning Primer, les fonds de teint trop, pas pour moi, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, regardez tout ce qu'il y a comme make-up, c'est l'opulence les gars. Du NYX, du... Putain, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Ça c'est du Benefit, hop. Et tout ça, c'est neuf, c'est-à-dire que c'est des choses dont je ne me suis pas servie. Donc voilà, c'est parti. On... Bon allez, tout ça, c'est déjà un premier colis qui va partir. Donc là, le sac est complet, full de tout le make-up. Voilà, ça, c'est l'accumulation de tout le maquillage qu'on nous envoie, enfin qu'on m'envoyait, qu'on m'envoie plus maintenant.
Et le truc fait... Ah, c'est quoi ça? C'est un bracelet, je vais peut-être le mettre de côté parce que c'est pas la même chose. C'est juste super lourd, je sais pas combien ça pèse, mais plusieurs kilos. Et donc il va y avoir plusieurs colis comme ça. Donc c'est parti, on continue. Deuxième sac full of make-up qui part. Et ensuite on fera... Qu'est-ce que t'as toi? Petite tête de parabole. Non mais toi tu me fais trop rire. C'est quoi cette tête? Tu vas être la miniature de mon vlog, Oscar. Je te jure c'est vrai. Mais oui. Petite tête. Ni. Bref, donc en fait le make-up va partir pour l'association Bel et Bien. Et tout ce qui est soins. Genre, je sais pas moi, les petits trucs comme ça, les petits packages de chez Sephora, les petits trucs comme ça. Ça va partir pour une autre association qui avait bossé avec Tara Jarmon là récemment. Je vous en avais fait un vlog justement pour les femmes qui sont dans la rue. Et je trouve que c'est plus important de leur donner des soins que du make-up. Il y aura un peu de make-up aussi, mais les soins, je sais qu'elles en auront plus besoin que du make-up. Donc j'essaye de diviser entre les deux. Le make-up là et les soins pour les femmes dans la rue. Voilà. Dites-moi d'ailleurs si dans les commentaires vous avez des idées d'associations qui pourraient prendre autre chose ou alors qui seraient également intéressées. Ça m'intéresse de savoir. Deuxième colis, full. Celui-là, c'est un sac plein. Je sais pas si vous arrivez. Peut-être que vous. Non, personne peut savoir le poids que ça fait. Donc des palettes, des produits bénéfices, des produits de toutes les marques. Ça, c'est que du Maybelline. Là, encore des palettes, chocolat bar, tout ça, Maybelline, MAC, Fenty Beauty, bref, tout ça, ça part. C'est le deuxième colis. Mais ce n'est pas terminé. Bon, et ben là on continue. Ça, c'est un sac plein de vernis à ongles. Et ça, c'est tout ce qu'il faut que je mette dans ce sac. C'est genre des produits pour les lèvres en fait. Il y a du Maybelline. Il y a aussi encore des vernis, il y a du Urban Decay, et ça c'est des produits. En fait je préfère les donner à une asso que de les mettre en vide dressing, c'est plus simple et au moins j'espère que vous ne m'en voulez pas de pas vous les faire gagner. En vrai j'ai peur qu'ils m'en veuillent, que je les fasse pas gagner, mais il y aura d'autres concours avec d'autres choses et d'autres produits. D'autres types de produits. Ah ouais, d'autres types de produits qui me tiennent plus à cœur maintenant que le make-up. Donc pas de panique. Juste que je préfère vous faire gagner vraiment des trucs qui, moi, genre m'importent vraiment. Que des trucs qui sont dans mes placards depuis des siècles et que j'ai jamais utilisé. Donc c'est marrant de faire ça, regarde. Allez! Jamais, on va pas y arriver. Allez, ça c'est vide. Qu'est-ce que tu fais, Oscar? Vous voulez voir Oscar qui a peur d'un ballon? Non, Oscar, c'est fou quand même. Hein. C'est trop gros pour lui. Ouais, oh bah voilà. Oh bah. Oh bah voilà. Excuse-nous, chien de garde. Pardon, Oscar. Bon, on a une trop bonne nouvelle pour vous, les gars. Les cotons de la marque Le Petit Carré Français reviennent en stock sur la boutique. Vous nous avez dévalisé, les gars. Donc, du coup, on en a recommandé. Là, il y en a déjà 140 qui partent. On va nous en rester une soixantaine. Mais on va en recommander parce qu'apparemment, vous les aimez bien. Et on a reçu beaucoup, beaucoup de questions concernant l'emballage, en fait, individuel, parce qu'on les vend en fait en individuel pour que vous puissiez les tester si jamais vous avez envie d'en acheter qu'un seul au lieu d'en acheter plusieurs et être déçu, mais on les vend à l'unité pour le moment. Et donc en fait l'emballage il est biodégradable, vous pouvez le mettre à recycler en fait, donc pas de panique, ça se recycle. Et dedans c'est juste une petite cartonnette comme ça, et ça pareil ça se recycle également. Il y a juste le mode d'emploi derrière pour savoir à combien les laver, comment ça fonctionne. Et en fait, on a fait broder Leaves and Clouds ici sur le côté. Hop, je sais pas si vous arrivez à voir.
Bref, donc tout ça, ça va partir dans vos petites commandes. Il va nous en rester une soixantaine en stock. Je vous mettrai le lien des cotons dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais ils sont trop doux et franchement, je les kiffe ceux-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les cotons, ils sont, j'allais dire biphasés. Haha, pas du tout. En fait, ils ont deux faces. Une face comme ça, un tout petit peu plus... rêche, mais franchement ça reste doux, mais un tout petit peu plus rêche pour le nettoyage de la peau, du teint. Et de l'autre côté, c'est un côté tout doux, vraiment vraiment tout doux, genre si vous aimez les matières un peu pilou pilou. Et ça, c'est pour les yeux, donc en fait il est double face, donc double utilisation, donc deux fois moins de déchets. Voilà. Et ça, c'est exclusif pour notre boutique, donc on est trop fiers, on est trop contents parce que vous pouvez pas les trouver ailleurs, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse. On est au resto avec Thomas, on vient de finir de manger et surtout on vient de finir de filmer une partie de la vidéo qui sortira samedi prochain. Et du coup là on a fini de manger, on va partir et on va continuer de tourner la vidéo, mais je vous dis pas où parce que sinon vous allez vite capter ce qu'on a prévu de filmer comme vidéo. Donc c'est parti. Bon, on est en ville avec Thomas, on est passé récupérer deux trucs pour les nuits sonores. Et là, on va récupérer la voiture. On a quasiment terminé de filmer la vidéo. On va terminer au bureau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très mal au bide. J'ai envie de vomir depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. J'en peux plus. C'est dommage parce qu'il fait beau, j'aimerais bien profiter du soleil. Mais non, je dois rentrer vite parce que déjà Thomas doit bosser. Moi aussi, mais surtout qu'à 16h20, j'emmène Nova chez le véto pour son rappel de vaccin. Elle va encore me faire la gueule. Elle va encore me faire la misère comme Jaja. Parce qu'elle déteste monter dans sa caisse, dans la voiture. Je sais pas si elle te fait ça aussi, Oli. Mais moi, elle miaule. Et quand je la mets dans sa caisse... Elle gratte, elle veut arracher la caisse. Ah ouais, non mais moi, elle miaule. Mais tu sais, genre, c'est un miaulement que t'entends que quand elle est en colère. Genre, ça fait... C'est genre vraiment un truc horrible. Bon, je viens de repasser chez moi, ma salopette. Je sais jamais si c'est mieux quand il y en a un ou s'il y en a deux, je vais quand même mettre les deux. Bref, je viens de repasser chez moi et là j'essaye désespérément d'attraper Nova pour aller chez le véto. Mais elle, ah mais t'es là. Mais elle, contrairement à Jelly, elle sait quand on va chez le véto. Et elle sait qu'elle va se prendre un vaccin dans le cul. Donc là, ça va ma louloute? Ça va Nova? Ouais. On va aller chez le vétérinaire? Mission impossible les gars. Tu viens? Viens. Tu viens là? Regarde. Hop. Viens là. Viens là. Viens. Allez Nono. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très réceptive. Je vais être obligée de la forcer. Allez. 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 Voilà. Oui. Elle veut pas. Ça va être compliqué, les gars. Allez, Nova. Désolée. Je viens à l'instant de rentrer chez moi et là il y a une énorme séance de rangement d'appart plus ménage qui se profile parce que j'ai ramené plein de choses du bureau, plein de choses que j'ai triées, donc il faut que je range. J'avais fait une commande sur Urban Outfitters de quelques objets de déco, notamment hyper intéressant, un nouveau panier à linge sale. Vraiment pas intéressant, mais c'est juste que les autres que j'ai, je les avais achetés chez IKEA il y a très longtemps et elles vont me servir comme poubelle de tri, puisqu'en fait j'en ai deux et il y en a une qui va servir pour tout ce qui est bouteilles en plastique, carton, papier, emballage recyclable, et l'autre elle va servir uniquement pour les emballages recyclables souples qui se recyclent en fait dans certains points de recyclage. J'en ai un moi à la vie claire, donc c'est par exemple je sais pas si vous achetez des pousses d'épinards avec dans un petit cajot
en bois et qui mettent un film plastique par-dessus, bah, ce type de plastique-là, en fait, je pensais que ça se recyclait pas, mais ça se recycle, mais pas partout. Donc du coup, comme j'ai vu qu'ils avaient ça à la Vie Claire près de chez moi, je vais faire un deuxième point de tri chez moi pour pouvoir trier encore plus et donc recycler encore plus. C'est juste que ça se recycle pas au même endroit ni de la même manière. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc j'avais acheté ça chez Urban Outfitters, nouveau panier à linge sale. Et j'avais également acheté des nouvelles étagères pour mettre mes livres dans ma chambre. Parce que j'ai de plus en plus de livres en ce moment que je suis en train de dévorer. Et j'avais trouvé ça, je les ai trouvés super minimalistes et très sympas. C'est juste deux barreaux, en fait ça fait un peu comme une balançoire. Deux barreaux comme ça de fer en triangle avec une petite planche en bois. Avec le recul, quand je les ai vus sur le site, je les pensais un peu plus designés. Maintenant, je pense que j'aurais limite pu le faire moi-même. Mais voilà, du coup, elles vont aller dans ma chambre pour pouvoir mettre mes livres au lieu de les avoir au-dessus de mon lit. Et c'est un peu risqué parce que des fois, ça tombe quand je bouge la nuit. Si je tape le mur, ça bouge. Bref. Voilà, donc du coup, je vais faire ça. Et là, je suis en train de me rendre compte que ma caméra n'a plus de batterie. Donc, je vais la recharger et je vais ranger mon appart. Rien d'intéressant à vous montrer. Je vous reprendrai quand j'aurai terminé et je sors de chez moi à 20h, donc dans 17, 18, 19h, j'ai 3 heures pour ranger mon appart, donc c'est parti. Et d'ailleurs, je suis toujours en train de continuer ma cure contre les cystites, et même si c'est passé, grâce aux huiles essentielles, je continue à boire 1 litre de jus de cranberry, enfin 50 centilitres, de jus de cranberry pur. C'est pas super bon, je vous avoue, pur, que j'achète à la Vie Claire, en traitement de fond, j'en bois 50 centilitres, tous les jours, voilà, pour faire un traitement de fond et pour éviter d'avoir mal. Et en plus, quand on le dilue avec de l'eau, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà. Bon, mon appart est complètement rangé, ça c'est fait, je me suis préparée, j'ai pris une douche, j'en pouvais plus. Je me suis repréparée et là je vais sortir du coup en ville pour rejoindre des potes, pour débriefer un peu de ce qui se passe en ce moment. Voilà, je vais arrêter le vlog maintenant, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant ici et je vous laisse aller regarder mes deux derniers vlogs en cliquant là et là et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye.